Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour votre fidélité sur Alsace 20. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Bérénice Cosson qui nous reçoit ici au Sable d'Olonne. Merci Bérénice. Vous sortez un livre sur la naturopathie en entreprise. Alors, on peut s'interroger, la naturopathie en entreprise. De quoi s'agit-il réellement ? Eh bien, c'est d'introduire en fait cette notion de naturopathie dans le monde du travail. On parle aujourd'hui de beaucoup de bien-être au travail. La qualité de vie au travail est un axe très très important en entreprise aujourd'hui. Mais on est au-delà de ce côté très cotonneux, massage et autres techniques. On est vraiment sur une approche globale. La naturopathie, c'est ça. C'est vraiment une approche, on appelle ça holistique, donc globale, qui prend en charge la personne par des techniques naturelles qui vont être sélectionnées avec cette approche professionnelle que je peux apporter. Alors, ce qui est surprenant dans votre ouvrage, c'est que vous donnez pas mal de trucs et astuces, et de façon extrêmement concrète, comme si en fait votre ancien poste d'infirmière militaire vous avait poussé à donner à la fois autant de rigueur que de plaisir à la lecture. Oui, comme vous le dites en fait, je suis une ancienne infirmière militaire et j'ai travaillé aussi bien en milieu hospitalier que sur le terrain en tant que militaire et j'ai fini ma carrière dans tout ce qui est médecine de travail, donc vraiment par cet axe de prévention. Et c'est dans cette approche-là. La naturopathie, c'est quoi ? On va vraiment par une approche, donc cette notion de terrain et cette notion d'énergie vitale, essayer de travailler cela avec la personne. Donc, c'est vraiment une approche de terrain. Donc là, le côté militaire refait son approche et le côté vraiment de prévention. Donc on va rechercher la cause de la cause, alors que moi, avant, en tant qu'infirmière, j'étais plus à soigner et à travailler sur les symptômes. Maintenant, c'est le chemin arrière, mais qui a une approche vraiment globale de ce que je suis. Et j'aime vraiment donner des choses concrètes. Moi, c'était vraiment cet axe-là de pouvoir apporter des choses concrètes dans l'entreprise parce qu'il y a aussi cette notion de temps en entreprise qui est très, très importante à prendre en compte. Oui, alors on se met à la place du patron. Enfin, moi, je me suis mis à la place d'un patron. Quand j'ai ouvert cet ouvrage, je me suis dit, mais en fait, on va croire qu'on donne le loisir à la totalité des employés de prendre des pauses, d'être zen, et finalement de fuir le monde du travail vitesse grand V. Mais en même temps, ce n'est pas du tout ça. Vous donnez des conseils extrêmement concrets qui permettent de se reconcentrer, d'avoir une meilleure approche du monde du travail. Et alors, aux patrons, parce que c'était vraiment à eux que j'ai envie de parler ce soir, aux patrons, quels conseils vous donnez en naturopathie quand vous intégrez une entreprise ? Mais c'est vrai que c'est vraiment une place extérieure que j'ai. Donc quand je m'adresse vraiment aux patrons, eh bien c'est ça, c'est de pouvoir avoir quelqu'un d'extérieur qui va écouter, voir, vraiment faire aller moi tous mes sens, ou un patron, même s'il essaye d'être le plus objectif possible, ne peut pas avoir tous les éléments. Et aussi avoir une personne pour les salariés, mais aussi pour le patron, une personne vers qui on va aller se confier, verbaliser. Et moi, en fait, de pouvoir déterminer aujourd'hui une notion qui est très, très importante, qui est la gestion des émotions et sur le ressenti de ces émotions. Et aujourd'hui, au travail, on a beau dire ce que l'on veut, on a cette notion de qualité de vie. Et cette notion de qualité de notre vie, de tout à chacun, prend une place vraiment très très importante avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui un patron, malheureusement il est rattrapé aussi par le temps. Il n'a pas le temps de consacrer cela et tout simplement il n'a pas les compétences pour se permettre d'accorder ce temps aux salariés. Parce qu'il est important aujourd'hui que toute personne au travail se sente tout simplement bien. Alors c'est un livre que tout patron doit avoir dans son entreprise, je peux vous l'assurer. Merci Bérénice de nous avoir reçus, c'est un grand plaisir, d'autant plus que vous allez sortir d'autres ouvrages, naturopathie pour les enfants, il y a des choses qui se profilent aussi sur l'arthrose, l'acné, enfin c'est vraiment un personnage intéressant Bérénice. Bérénice Cosson signe la naturopathie en entreprise, c'est dans toutes les bonnes librairies, à la semaine prochaine sur Alsace 20.